Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la vidéo aujourd'hui. À côté, nous allons porter tout ça qui a dominé l'actualité football là pour côté pays l'Argentine après victoire fait un goal à 0 sur l'équipe Paraguay là. Et bien, il est qualifié pour les quarts de finale. Nous allons venir avec réaction la presse pour. Et c'est même cas de figure là pour pays Chili lui-même tout qui veut qualifier pour les quarts de finale après match nul que fait face avec l'équipe Uruguay là. Et nous parler en Europe pour l'équipe danoise Alien qui arrive qualifier pour les 8e de finale. Nous allons venir avec réaction la presse pour et résumé goal qui était dans le match là. L'équipe la Hollande également arrive qualifier pour les 8e de finale. Nous allons venir avec résumé goal qui était dans la rencontre là côté arrive bat 3 goals à 0. Nous parler tout avec qui ça cap dominer actualité football là dans le pays l'Angleterre côté vraiment là gain en pile problème après qu'un joueur écossais qui testait positif. Et bien, dans le groupe de la mort, la pays la France même qui déjà qualifié pour les 8e de finale. Mais en parlant de pays la France, il y a Ousmane Dembélé lui-même qui blessé avec sélection qui t'a supposé opérer dans le jeu qui va venir là. C'est une vidéo qui gagne tout ça qui a dominé l'actualité football là avec résumé goal qui dégaine dans quelques gros matchs. N'a pas pose tout petit après pose dans la venir avec plus de détails pour. Commencer la vidéo presse dans le pays l'Argentine avec journal Olé qui vient sous qualification sélection argentine pour les quarts de finale dans la Copa América pour le mettre à la une. Yon cri de cœur. Après que sélection argentine a imposé avec un goal de Papu Gomez et un passe décisif de Di Maria, et mais définitivement par les quarts de finale dans la Copa América. C'est une qualification qui fait la une dans plusieurs journaux dans le pays l'Argentine, notamment avec journal La Voz qui mettait à la une Argentine victoire et classification. Sélection qui fait une autre victoire après victoire de fait sous Uruguay, un goal à 0 et elle fait une autre victoire encore une fois mes amis sous l'équipe Sali même qui c'est Paraguay, un goal à 0. Si on va qui fait la une notamment dans le journal Chronica qui mettait à la une triomphe, il est quart de finale. Mais quand même, journal là qui rappelait que Lionel Messi bat un record puisque Livin là, même genre avec Javier Materano, joueur qui jouait plus de matchs avec sélection, soit en fait de 147 matchs. Et bon côté par le journal Diario, il mettait à la une un gros goal et les quarts de finale, nous voilà. Toujours en Amérique du Sud, la MRG Journal Salem, c'est Observador qui mettait à la une Suarez retourné, marqué goal, mais quand même, il n'y a pas arrivé à un objectif là. Mais il a fait un match nul, les amis, un goal partout face avec la sélection chilienne, ça qui vraiment mettait en difficulté. Donc, il n'y a pas arrêté dans la dernière journée pour avoir une qualification pour les quarts de finale. Et pour côté par les voisins, les qui c'est l'équipe chilienne, il qualifié pour les quarts de finale après qu'il était invicto dans le championnat. Journal El Mercurio le mettait à la une Chili, il continue invicto et joue une qualification pour les quarts de finale. Après match, ça que fait un goal partout face avec la sélection Uruguay, la sélection chilienne qui prend l'autre option pour le prochain tour. En parlant de l'équipe qui qualifiait, nous parlons en Eurocounia avec journal l'équipe qui mettait à la une qualifiée. Définitivement, équipe française là même après match, côté que Autriche veut imposer et pourquoi pas équipe la Belgique est mieux une qualifiée là donc avec 4 points. Donc, quand bien même qualifié parce que maintenant, groupe Paris a fini comme meilleur 3e. Donc, il y a un journal là qui continue pour augmenter. Les Bleus ont obtenu dès hier soir leur qualification pour les 8e de finale grâce au succès de l'Autriche et de la Belgique et du Danemark. Mais ils ont tout intérêt à battre le Portugal demain pour conserver la tête du groupe F. Mais quand même, une très mauvaise nouvelle pour sélection française là également qui est Ousmane Dembélé qui blessé le journal Sport dans le pays l'Espagne qui mettait à la une alarme Dembélé. Mais Français a lui-même qui blessé dans le genou, dans le tendon dans le genou, mais définitivement qui a besoin de faire opérer. Journal là qui fait qu'on est que EQS Barcelone a pensé mettre sous marché de transfert là, mais ça qui a vraiment compliqué la situation pour lui et fait n'importe où. Ça qui a fait nous entrer dans la ville catalogue avec journal Les Sportifs qui mettait à la une un changement de plan. Il fait qu'on est que avec lésion Dembélé là, donc ça qui a vraiment quitté les 2 à 3 mois de terrain, et mais ça qui a vraiment changé prévision club Blaugrana. Mais qu'on y a là, fait qu'on est que ça qui vient favoriser au tout bon côté rénovation, puisque avec blessure ça, et bien Dembélé qui vient dans obligation pour le renouveler. Mais quand t'as un possible vente, ça qui vient vraiment impossible, puisque pas aucun club qui prend derrière pour acheter Dembélé tout blessé. Si pays la France Ligue 1 qui blessé, mais quand même pour pays Portugal, selon le journal Ojogo, gen Jean Félix qui décante après là et pourquoi pas récupérer pour qu'il joue face à la France. Mais quand même, gen Jean Moutignoli qui fait déclaration pour le faire qu'on est que, mais côté nous y a là, aucun monde pas gen Perez. Il fait qu'on est que yon prêt là pour battre la France et pourquoi pas assurer première place dans le groupe si là. En parlant de groupe ça, qui gagne Portugal et bien et qui Belgique, la ligne qui est en qualifié là, mes amis, qui attendent yon soit Portugal, la France ou bien l'Allemagne. Mais journal dernier heure, il mettait à la une carton plein pour la Belgique qui veut battre Finland 2 goals à 0. 9 sur 9 pour les Diables Rouges, premier de leur groupe. Les Diables Rouges qui va gagner pour croiser le fer dans les 8e de finale avec 3e dans le groupe F là qui s'est gagné l'Allemagne, la France et pourquoi pas le Portugal. Et en parlant de groupe ça lui-même, mais définitivement équipe Allemagne n'a pas gagné pour affronter la Hongrie, mais quand même avec une très mauvaise nouvelle. Mais Jonas Sali mettait à la une un choc de Müller.
Mais milieu de terrain allemand lui-même qui blessé et qui a même raté match face avec la Hongrie, un match pas vraiment décisif pour sélection Mannschaft là. Un match pas combien important puisque yo même tout capable terminer premier dans groupe F là. Juste avant que nous vous publions la vidéo ça, qui t'en petit temps pour nous remercier chaque monde qui toujours mettez like, qui toujours commenter, qui a encouragé le travail là pour arriver plus loin toujours. Pas oublier une bonne conversation, qui soit obtenu mettez un like à la vidéo ça, kounia ça vraiment encourager nous porter plus vidéo pour vous. Et pas oublier mes amis, si vous faites une ensemble avec nous, invitez vous à cliquer sur le bouton de la vidéo à kounia pour abonner et activer la notification, mettez sous toutes. Comme ça, chaque jour vous recevez tout ce qui va dominer l'actualité football là, résumé goal et tout ce qui va compter de jeu football. Et l'autre équipe toujours dans Euro qui qualifiée pour les 8e de finale et mais c'est sélection danoise là lui même mes amis après belle victoire vers ce pays là aussi. Sélection danoise là qui vient pour la croiser le fer avec pays de Galles en 8e de finale et bien journal ça lui même y mettait à la une en route Damsgaard. Extra Bad qui c'est au journal dans le pays Danemark lui vraiment célébrer victoire ça et pourquoi pas qualification ça pour les coéquipiers de Eriksen. Et bien mes amis résumé comment ça c'était Damsgaard lui même qui était ouvre score à la 38e minute de jeu. Bien pour Sen Lima 59e minute de jeu, t'as mettait 2 goals à 0 suite avec un grave erreur de défenseur là. Bien Djoubali en 70e minute de jeu, son pénalité qui t'a réduit ce score là pour pays là aussi. Mais quand même bien Christensen à la 79e minute de jeu, t'as mettait une très belle frappe pour te mettre 3e goal là pour pays Danemark. Mais bien Marley lui-même à 82e minute de jeu, t'as mettait ce score là 4 goals à 1 pour pays Danemark, une qualification pour les 8e de finale. Donc toujours été dans la qualification pour Euro 2020 à côté que l'équipe Autriche allait lui faire une belle victoire, mes amis, sur l'équipe Ukraine pour qualifier pour les 8e de finale. Dans le pays l'Autriche qui chez Zeytung limité à la une en qualification historique. Les coéquipiers de David Alaba par gain pour croiser le fer avec l'Italie lui-même qui était sous 30 matchs sans défaite. Mais quand même qualifié pour les 8e de finale, son bagage qui est déjà historique pour eux. Et toujours dans la qualification, nous allons venir avec Pays-Bas lui-même tout qui qualifié suite avec belle victoire. Elle fait 3 goals à 0 mes amis, notamment avec un doublé de néo-parisien qui c'est Wijnaldum. Mais Jonas ça limité à la une en Budapest, mais nous avons venu. Pour rappel, Pays-Bas qui fait 9 sur 9, donc 3 matchs, 3 victoires pour eux-mêmes dans poule si là. Et toujours dans le pays là, Hollande, et bien venu avec Jonas Poldvered lui-même qui était à la une. Vas-y, dis-le. Définitivement, Franck Debout, il y a un problème pour chercher les gens pour mettre accompagné Memphis Depay dans l'attaque. La puisque gagné Malen qui fait une très belle prestation. Mais est-ce que vous parlez pour Malen ou vous prendre Wegos qui a évolué dans Wolfsburg, donc c'est pas l'embarras du choix. Mes amis, comment ça en résumé pour Pays-Bas, c'était Memphis Depay qui était ouvre ce score à la 24e minute de jeu. Et oui, Wijnaldum donné la 51e minute de jeu, c'était double mise pour mettre 2 goals à 0. Et à la 58e minute de jeu, c'est même Wijnaldum qui a aggravé ce score pour mettre 3 goals à 0 pour Pays-Bas pour qualifier pour les 8e de finale. On a toujours été en Europe, dans Eurocopa, puisque il y a une nouvelle qui n'est pas vraiment intéressante. Quand il y a un peu de monde qui vraiment là à parler, un peu pour faire finale là à Rome. Mais l'autre information mercato qui vraiment fait actualité dans le pays l'Italie, c'est Chanalo Gouli, même international turc là qui a débarqué dans l'équipe Inter de Milan. Les mêmes qui s'est joué actuelle équipe Milan, c'est un supposé signer aujourd'hui là avec l'équipe ça qui s'est ennemi juré Milan, c'est lui-même qui s'est Inter de Milan. Inter, j'arrive. Et bien, l'équipe Milan, c'est pour remplacer le guetta français avec Hakim Ziyech qui a évolué dans l'équipe Chelsea et pourquoi pas Dani Ceballos, qui s'est joué Real de Madrid qui prêtait dans l'équipe Salim, qui c'est Arsenal. Et bon, côté par le journal Tuto Sport, il est venu avec un résumé pour faire connaître que Çalhanoğlu c'est presque dans l'équipe Inter de Milan. Mais quand même, il fait connaître que l'équipe Salim, même qui s'est joué Juventus de Turin, il est vraiment intéressé avec Locatelli qui s'est joué Sassuolo qui a fait un gros euro avec l'équipe Italia. Et définitivement, c'est presque fait pour Gabo Jeune, l'équipe Juventus, la saison qui a venu là. On a toujours été dans le dossier Mercato, mais cette fois-ci dans le pays l'Angleterre avec journal de Daily Telegraph qui mettait à la une que Manchester City fait premier offre pour Harry Kane. Il est vrai que Daniel Levy a remis un service Harry Kane, buteur anglais à sous service dans l'équipe Tottenham, mais quand même Manchester City qui a fait un effort pour voir s'il a joué un service. Il a fait un offre de 100 millions de livres sterling, ça qui peut quitter insensible président équipe Tottenham. Et c'est même dossier ça qui fait la une dans le journal Daily Express qui mettait à la une. Il n'y a pas de presse pour vendre Harry Kane. Mais Daniel Levy lui-même n'est pas vraiment pressé pour qu'il vende Harry Kane puisque il y a plusieurs clubs qui sont intéressés ensemble avec lui. C'est vrai que c'est Manchester City qui a fait un offre de 100 millions de livres sterling, mais quand même Chelsea et pourquoi pas Manchester United qui vraiment été là pour regarder comment la situation a évolué. Mais quand même, Jonas Sato qui parlait d'un dossier qui est vraiment triste puisque il mettait à la une l'Angleterre qui frappait par le chaos du Covid. Et il fait connaître que Ben Chilwell avec Mason Mount même qui t'a salué un partenaire, mes amis, qui est l'équipe Chelsea qui a joué pour Écosse. Et mes partenaires salités, c'était positif définitivement, ou même tout en isolement. Il y a une nouvelle qui confirmait par Daily Mail lien qui mettait à la une un chaos du Covid. Mais il confirmait que Chilwell avec Mount même après que relation était gagnée ensemble avec Gilmour, lui-même qui est partenaire de l'équipe Chelsea, a salué après match Écosse-Angleterre, et bien, même tout en isolement. Ça qui mettait groupe Southgate là vraiment en inquiétude pour qu'il fasse une formation pour le prochain match là.
C'était un gros plaisir pour nous pour nous déporter tout ça qui a dominé l'actualité football là pour mes amis. Pas oublier juste avant aller partager vidéo ça avec tous les gens qui aiment le football sur Facebook là, sur tout groupe WhatsApp, etc. qui aiment le football. Quand à pour nous, nous avons la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse, pas oublier mes amis. Préparez-nous pour retour Christ là, son bagage qui est essentiel puisque nous comptons qui joue le mi-soutien, par contre qui joue n'a pas quitté.